Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 25 août 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Beaune, quatrième course de la Réunion 1, où 14 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 20h15. Pour ce magnifique Grand Prix parisien européen qui portera le label classe C, nous assisterons à une très belle bataille. Le parcours emprunté sera celui des 2700 mètres de la grande piste parisienne, toujours aussi sélective. 60 000 euros seront à se partager et nos favoris ne devraient pas manquer l'occasion de s'illustrer. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 3, Electra du Vivier. Cette pensionnaire de la famille L'Écuyer sera pour la circonstance drivée par un certain Jean-Michel Bazire. Déférée des 4 pieds et trouvant un bon engagement selon nous, si elle est sage, elle peut mettre tout le monde à la raison dans ce lot. En deuxième choix, le numéro 10, Écho de Champlecy. Véritable rouleau compresseur lorsqu'il est bien luné, pouvant aller de l'avant mais également attendre et faire les 500 derniers mètres, ce pensionnaire de la famille Blot peut être compté sur l'aide de Tony Lebelair et le fait d'être déféré des 4 pieds pour jouer le succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Elena Di Quattro. Si elle reste sage, cette pensionnaire de Fabrice Soulois pilotée par Gabriele Gelormini peut assurément faire le show. En quatrième position viendra le numéro 11, Equinox Giel. Jean-Luc Darsoir le trouve très bien actuellement et s'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours, il peut même monter sur la plus haute marge du podium. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Erdelios. Franck Harel la trouve très bien le matin et comme elle est d'une grande régularité, il faut encore la retenir dans une combinaison en 5 chevaux. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 6, Eliska Berry. Bonne finisseuse, si Hugues Montulé arrive à la planquer durant le parcours, elle peut finir de très prometteuse manière. En avant-dernier choix, le numéro 12, Bikuldeb. Irrégulier mais performant lorsqu'il est bien luné, si Johan Le Bourgeois en tire la quintessence, il peut logiquement espérer jouer un très bon rôle à l'arrivée. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Classe Action. Si elle reste sage, dans un tel lot, elle peut tout simplement terminer à l'une des 4 premières places. En cas de non partant, le numéro 14, Blackjack La Nuit, qui nous revient du trot monté, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono réalise un authentique exploit. En effet, ce dernier indique le tiercé de 496 euros, le quarté de 785 euros, ainsi que le quinté dans le désordre de, tenez-vous bien, 4780 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté les Minutes Quintées. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche.